Salut à tous, c'est Lim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on va offrir un cadeau à la salle. Voilà, je vous le dis, on est en direct, ça va être un petit vlog et tout, vous allez kiffer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Et bah là, c'est un vlog et vous allez voir, grosse dinguerie pour la salle, je vous le dis, c'est du direct, c'est un beau cadeau. Vous me dites si vous validez, si vous validez, vous mettez un petit like. On se retrouve demain à 18h pour le live anniversaire. Voilà, venez souhaiter joyeux anniversaire à Humine en live, c'est demain à 18h. Sur ce, bonne vidéo. Bon les gars, on est actuellement chez le coiffeur, on fait une petite coupe parce que avant c'était catastrophique. Vous irez voir la coupe dans la vidéo de Pat Flunch, donc le bec est là-bas. On est en train de gérer les affaires, tu connais. Et on est avec le coiffeur, tu t'appelles comment frérot? Oussama. Oussama et le frérot Anil. Anil, voilà, les deux ils s'occupent de moi tranquillement. On est bien accueillis. Et puis voilà, on se retrouve directement pour le reste du vlog. Et j'espère que vous kiffez, parce que je sais que vous kiffez les vlogs. Le dernier vlog avec le frère de Bad Funch, vous avez kiffé les gars, on était chez Eden. Et puis voilà, on est reparti. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds, got up and I beat those odds. Misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It was always me versus me. Attends, c'est... Ah, zoom comme ça mon pote. Tu zoom comme un... Voilà, là, c'est la partie détente. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. On est bien. Là, de là, t'es bien. Ah, on est en détente. C'est petit moment détente, petit moment cosy quoi. Voilà. Pas mal. Bon les gars, direction, on va aller chercher la paire de chaussures, ça y est, je pense ouais, que moi je suis ton chauffeur en fait, voilà. Sbire, c'est ça. Et là j'ai mon chauffeur privé directement. En plus on est bien, on est en Tesla les gars, on est tranquille. 0€, hein, chauffeur privé. Voilà, on est... Combien pour la course? Non, il m'a dit quoi? Bah, vu que c'est pas de... En gros, vu que c'est pas du gasoil, je paye pas. J'aurai la carte électricité, bah, c'est ça mon pote, électricité, c'est ça. Soit t'as une voiture qui consomme pas, soit tu l'as pas. D'accord. On va aller chercher le cadeau. Bad Funch, il a eu l'avant-première, le frère de Bad Funch également, et je peux vous dire qu'elles sont... Franchement, c'est propre. C'est propre, voilà. C'est un cadeau inédit. Un petit indice. File mes pieds des claques. Oh. Bon bah c'est parti, on y va et on les récupère et ensuite on se retrouve directement là-bas pour vous les montrer. It was never me versus you, misunderstood. Get up, had to beat those odds, got up and I beat those odds, misunderstood. It was always me versus me. Bien, j'aime bien son flow, il est à l'aise, il a raison. Salut. Bonne journée, ciao. Bon, on lui a pas montré les chaussures. Ouais. Ça se passe les gars? Tranquillement. Je peux pas arracher de chaud ou pas? On est en pleine vidéo là. Oh putain, le coup. Les gars, je vais te montrer une exclue. Okay. Tu me dis si tu valides ou pas. Ça va. Là, ils ont pas encore vu les chaussures, tu vois. C'est, là, c'est l'exclue, les gars. Oui. Ouais. Est-ce que vous... Incroyable. Elle vous validez? Mais toi, gros, ça fait 4 ans, mec, que t'es censé nous dire là où il habite, gros. Tu nous... Je pourrais pas, les gars, mais c'est gros, ça. Après, si vous lui donnez 20 balles, il vous dit. 20 euros, je vous le dis, les gars. C'est la carte bancaire de ma mère. Oh, oh non. On va voir comment elle est, la carte. Elle est Oh non, gros, elle marche. Vraiment, réelle. Bertin. Ouais. Tranquille, bien. Ça va? Faire une photo? Avec plaisir, frérot. Ah bah, en fait, y'a tout le monde qui débarque, quoi. Y'a tout le monde qui débarque, les gars. Il est fou, ce type. Tu fais du combien? Moi, je fais du 41. Ah bah, c'est du 43. Qui fait du 43? Moi, c'est du 43, celle-là. 43, celle-là? Ah ouais. Ah, moi, je te les donne en exclu ou pas? Non. Tu lui voles? Tu lui voles ou pas, la salle? Non, mais la salle coûte cross king comme ça, gros. Il finit. Ça va? Ouais, tranquille. T'aimes bien les chaussures ou pas? Est-ce qu'on va voir si c'est valide ou pas, les gars? Est-ce que tu valides? Franchement, ouais, nickel. La salle? Elles sont magnifiques. Elles sont belles. Ouais. Bon, je pense que les abonnés, les gars, je pense que vous, les gars, les babons, vous voulez voir derrière. Bon, je remonte ou pas? Je remonte, attention. 3, 2, 1. Like it's game time. Bon les gars, on est actuellement avec cette paire de chaussures qui est magnifique pour la salle. On va aller lui ramener, mais avant toute chose les gars, vous demandez comment je fais pour avoir une paire de chaussures comme ça. Comment je fais pour avoir une custom? Alors bien évidemment, vous pouvez customiser votre chaussure avec ce que vous voulez. Si vous voulez mettre votre propre logo, et bah, vous pouvez mettre votre propre logo. Si vous voulez mettre, bah, je sais pas, le drapeau, je sais pas, de la France, du Maroc, je sais pas, tu veux mettre Homer Simpson. Tout ce que tu veux, tu peux le mettre sur ta paire de chaussures. Après, bon moi c'est des Air Force One parce que tu vois, c'est en vrai c'est le meilleur pour custom des chaussures. Après tu peux mettre ce que tu as envie. Du coup les gars, je vous affiche le snap.
l'étape, ajoutez-les en masse, vous commandez votre chaussure. Voilà, vous lui dites, vous parlez avec la personne, ne vous inquiétez pas, c'est une personne sympathique, elle va bien vous accueillir. Elle vous enverra des photos pour vous montrer l'aperçu des chaussures au fil du temps et tout. Donc voilà, si vous voulez votre chaussure, n'hésitez pas, le snap s'affiche encore une fois, Ziluma-shoes sur snap. Et puis voilà, ajoutez-les en masse et nous on se retrouve avec la réaction de la salle, on va un petit peu vlogger, on va voir ce qui va se passer. On ne sait même pas encore ce qu'on va faire dans la journée, mais il faut aller déposer le paquet. J'espère qu'il va être content. La salle, I love you. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que t'as trouvé ton bonheur? Oh non, on cherche, on fait un petit tour, hein, vu que c'est Lune qui regarde aujourd'hui pour son vlog. T'offres la chemise pour la salle, c'est ça? Ouais, la salle aussi, voilà, la chemise aussi offerte. Vu que voilà, tu nous as dit qu'il était millionnaire, donc on essaie de lui donner un petit coup de main pour qu'il arrive. Ah, t'as regardé les TikTok, toi, il a regardé les TikTok. Bon, abonnez-vous à mon TikTok, les gars, il s'affiche à l'écran tout de suite. Pour ceux qui sont pas abonnés à TikTok, les gars, suivez un petit peu. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas trop, mais ça arrive en masse, les gars. La petite pause, on avait faim. On se régale un petit peu. Petit tweak, voilà, on est en détente, on est un petit peu fatigué parce qu'on a enchaîné pas mal de vidéos. T'es parti sur quoi toi, dis-nous tout. Moi je suis parti sur le classique, franchement, un long bacon. Ouais. Un long steak bacon. Okay. Et toi? Moi je suis parti sur un petit supreme spicy, tu vois, donc on aime bien les saveurs un peu épicées. Avec une grande rustique, pour les vrais, ils savent que c'est les rustiques qu'il faut prendre. Et la sauce fromagère tomate basilic. J'aime pas le fromage, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Moi j'aime bien. C'est le petit supplément cheddar. Tu vois? Regardez-moi ça. T'es très plage de gueule, voyage. Ces choses-là, quoi. Mon voyage, tu vois ce que je veux dire? On voyage où avec ça, genre, à peu près? Bon, sur Arc. Sur Arc? Voilà. Très prochainement, les gars, ils savent que ça arrive fort ou pas? Là, chez Multigaming, les gars. Et moi, les gars, c'est à base de composition sans crudité. Moi, c'est que de la viande et de la viande, vous voyez? Et c'est. Ah ouais, tu prends que de la sauce et de la viande, en fait, pas de fromage. Ah ouais, c'est un gars, lui, je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que tu ne peux pas aimer le fromage. C'est pas possible. On s'entend pas moi. C'est la base de fromage les gars, c'est ce qui fait le goût en fait, tu vois, dans un burger. Parce que de base, McDo peut être ouvert, ou quoi. L'hamburger et le cheeseburger. Oui mais l'hamburger c'est sans fromage. Ah mais c'est ce qui se vendait le plus, c'était le cheese. Et après il y a eu le cheese. La wanam. Bon les gars, on se retrouve directement à la maison. On est chez moi, tranquillement, à base de tranquillade, la salle. Écoute, je te laisse l'honneur. Bonsoir, comment vas-tu déjà? Hello, how are you? I'm fine and you? I'm fine too. Alors apparemment, j'ai des magnifiques baskets. C'est ça. Alors t'as remarqué la boîte forcément, effectivement. Eden, comment vas-tu? Et pas ça, Eden est avec nous également. Je vais bien. Du coup, moi j'ai pas vu, je sais que c'est des chaussures du coup. Enfin, je sais pas si il fallait le dire ou pas. Mais j'ai pas vu le design, j'ai pas encore vu les trucs quoi. Eh ben, elles sont incroyables. Ah ça y est, t'as déjà ouvert? Ah ouais, même pas de suspense comme ça, tu ouvres Non, parce que moi je vais vite, tu vois, je suis un mec qui va vite. Et du coup, je les ai ouvertes pour voir, et effectivement, elles sont magnifiques. En plus, elles sont aux couleurs de mes couleurs, c'est-à-dire le rouge et le blanc, bien évidemment, pour ressortir le rouge. Déjà, c'est un cadeau unique, déjà, c'est unique. Hein, ouais. Est-ce que j'ai bien choisi... le logo, etc. Quoi. Genre, ce que t'as vu, j'ai mis le Hulk et j'ai mis l'autre aussi dans l'autre chaussure. Ouais, justement, t'as bien choisi parce que c'est moi qui ai choisi. Donc oui, t'as bien choisi. T'es un bon répète-man. J'aime bien. Alors, n'oubliez pas, les gars, si vous voulez les chaussures là, vous achetez sur Snapchat. N'est-ce pas, Eden? Non, mais c'est un bon répète-man, non? Un répète-man. Alors, Eden, je t'envoie la photo des chaussures. Tu me dis si tu. Non, mais je l'ai là. La salle, il m'a envoyé. Mais ah ouais, contre, et la salle, c'est du Chirac en fait. T'as vu ça, c'est incroyable. Waouh. elles sont incroyables, le logo déchiré et tout, avec les trucs dans la main, c'est pas mal. Franchement, waouh. Tu pourras jamais les porter, c'est dommage la salle, parce que si tu les portes, t'es cramé. Un truc aussi que je voulais dire, est-ce que t'as présenté la personne qui nous a fait ça? Alors, je l'ai dit en début de vidéo. Ouais, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète du coup. 404, je ne sais pas lire et écrire. Pourquoi tu me poses cette question? Non, la salle, c'est Ziluma Sush. De toute façon, leur snap s'affiche. Encore une fois, si vous voulez une paire, ou vous voulez mettre votre logo à vous, YouTube, votre logo de, je sais pas moi, de votre logo, n'importe quoi, vous voulez mettre même le logo de la salle, si vous avez envie d'avoir les mêmes chaussures que la salle, ou voilà, d'autres trucs, bah vous le dites. En tout cas, c'est vrai qu'il y a les miennes aussi, Eden. Il y a les miennes aussi. Mais je ne les ai pas encore montrés, voilà, je ne les ai pas encore montrés. Moi, je les ai vus, moi, les tiens, je crois. Ouais. Admettons, j'en veux, là. Fais quoi? Alors, si tu veux les chaussures, là, par exemple, Eden, toi, tu veux les chaussures, imaginons. Eden. Je veux faire les miennes ou je veux faire des chaussures que j'aime, d'une star, d'un chanteur, de moi, de... Voilà, gars, comment je fais? Je vais montrer aux abonnés. De Kenji Girac dessus. J'ai mon téléphone, je vais sur Snapchat, ok? Je fais quoi?
Hop, j'ajoute Ziluma tiré du bas shoes. Hop sur Snap. Ziluma shoes. Tu dis, tu lui envoies un message, tu dis voilà, j'aimerais les chaussures, les mêmes chaussures que la salle, les mêmes chaussures que l'une, ou je veux le logo là, je veux ça, je vais écrire. Bah, tu vois, si t'as envie de faire un cadeau à un enfant à toi, ou pour un anniversaire, etc., écrire par exemple, je sais pas, Quentin, écrire JR, écrire Pedro, ce que tu veux, et bah, tu le mets, et elle te fait ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux, et voilà, tout simplement. Est-ce alors, que je peux le faire sur n'importe quelle chaussure? Sur par exemple, admettons. Sur la chaussure que tu veux, ok. Alors, soit tu peux lui envoyer si t'as déjà une chaussure à toi. J'ai une chaussure noire, c'est bon. Voilà, si tu peux lui envoyer directement, mais tu peux également, bah, elle peut te les commander aussi, tu vois, genre, voilà, juste, voilà, tu payes forcément les chaussures, tu vois, si elle, par exemple, tu veux des Air Force One, elle va dire, bah voilà, je les ai payés 130, bah faudra que tu payes 130, tu vois ce que je veux dire. Imaginons, j'ai des chaussures comme ça, multicolores, est-ce que ça va passer ou pas? C'est en fonction de toi et tes goûts. Si t'as envie de mettre sur une Air Force One, tu mets sur une Air Force One. Si t'as envie de mettre sur une Puma, tu mets sur une Puma. Sur même si des McQueen, tu mets des McQueen. N'importe, enfin, c'est toi après. J'ai deux paires de chaussures, si tu peux les afficher. Vas-y, arrête de me rendre fou, mon pote. J'ai celle-là en paire de chaussures. Est-ce que c'est customisable? Eh les gars, Miami to Californie. Sinon, mais ça doit être l'inverse. C'est Californie to Miami. GTA 6, GTA 5, GTA 6. J'ai celle-là et genre j'aimerais bien qu'au bout genre c'est mon logo genre le panda comme ça qui ouvre la bouche. Je suis sûr que c'est faisable. Je t'ai envoyé quand tu m'as fait vous envoyer. Ah dégueulasse, c'est chaussures qu'il a envoyé. Je les affiche et on va clôturer là-dessus les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, rendez-vous demain à 18h pour le live avec Eden et la salle qui nous rejoindra en cours de route. Bisous.